Jérémy Perbet, ce soir vous affrontez Westerlo, une équipe de bas de classement. Il faut s'en méfier tout de même. Oui, c'est sûr. On peut voir dans ce championnat que tout le monde peut battre tout le monde. Et ça reste tout le temps des matchs compliqués. Donc à nous de prendre ce match au sérieux, même si c'est vrai que c'est les derniers du classement. Ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, mais voilà, ça sera, quoi qu'il arrive, un match compliqué. À nous de faire en sorte de gagner ce match. Chaque match, j'envisage forcément de marquer. Maintenant, après, le plus important reste la victoire de l'équipe. Voilà, c'est sûr qu'eux ont besoin de points dans le maintien, donc ils ont quand même une certaine pression. Nous, je dirais que c'est une pression positive, puisqu'on vise les play-offs 1 et que le maintien est presque assuré avec l'avance qu'on a. Donc, à nous d'être compétitifs et en espérant qu'on gagne ce match. Oui, c'était déjà l'objectif avant le match de Louvain, où on disait que bon, les 4 prochains matchs qui sont, on dirait, sur le papier abordables, même si aucun match n'est facile. Donc c'est un objectif difficile à atteindre, parce que gagner 4 matchs d'affilée, c'est jamais évident. Maintenant, on sait qu'avant la fin de décembre, ça reste très important de faire cette série-là pour être dans nos objectifs, et qu'après, au mois de janvier, il ne restera pas beaucoup de matchs. Donc à nous de faire en sorte de déjà gagner, et puis après on aura un match en retard et un dernier match contre Genk, donc ça sera important de prendre ces 3 points. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be/rcsc.